Bonjour tout le monde, nous sommes sur le Nord Charente et je crois que nous avons un OM qui habite par là. 14 ODR 0016, Claudie, et nous allons lui faire une surprise. Attention, les stations en fréquence pour un essai TX. Attention, les stations en fréquence, je suis nouveau, je ne sais pas trop comment ça marche, la CB. Quelqu'un peut me faire un essai TX ? Bon, voilà, alors, attention les stations en fréquence pour un essai TX. Je suis nouveau sur la CB, je sais pas trop comment ça marche. Ouais, 73, la nouvelle station. Il sait pas que c'est nous. Ok, peux-tu m'expliquer exactement comment ça marche? Est-ce qu'il faut une antenne correcte, quelque chose? Il y a quelque chose de je sais pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux me dire sur la CB? J'ai branché le poste, j'ai mis les deux fils dans, j'ai mis les doigts dans la prise et bon, ça marche apparemment. Ok, ça marche, j'attends votre appel.
Oula, les codes que tu m'as donné là, c'est quoi? C'est les cordes, c'est les codes de ta carte bleue? J'ai pas tout compris. Je suis dans un nid à QRM. Vive les lignes de pension. C'est un peu compliqué. Est-ce que tu as éventuellement un poste multimode? Moi déjà, je suis pas multitâche. Alors, poste multimode, qu'est-ce que c'est qu'un poste multimode? En négatif, j'arrive pas à sortir du tout. J'entends bien du module, mais j'arrive pas. Est-ce que tu peux passer sur la même fréquence, mais en USB, s'il te plaît? Sur quoi en USB? Oui. J'ai fait un tour pour rien. Oui, la station. Je crois, je sais pas. J'ai touché quelque chose, ça a basculé sur autre chose. J'entends pas pareil. Ça va pas terrible. Éventuellement, si tu es toujours sur la fréquence d'ici 5-10 minutes, je me serai rapproché un petit peu du centre-ville. De Saint-Junien, parce que là je suis dans les petites routes, dans les creux, dans les bosses, dans les fosses, donc ça passe un peu dur. Donc j'essaierai de t'attraper là dans 5 minutes si tu es toujours là. Oui, ok. Ah chi, on va arrêter la plaisanterie là. Les bonnes 73 à toi, Claudie, de la part de Dandy 33, comment vas-tu? Il est dans la ligne de QRM. Ah, t'es dans un nid de Kirem. Bon, ok, le temps qu'ils sortent des QRM. Ouais, on aperçoit une antenne là derrière le QRA. Bon, Claudie sort du pro. Voyez un peu ça. Attention, Claudie pour Dandy qui t'appelle. Oui, attention. Oui, la station, j'entends bien. Dans la M, j'ai trouvé con. Les bottes 73, Claudie, Ok, la station, vas-y doucement. J'ai du mal à... Non, Ah, chi, trois coups. Tu as les bonnes 73-51 de la part de Dandy 33 en compagnie de la Voix des Ondes. Tiens, Dandy 33, je connais cet OM. La Voix des Ondes aussi, par contre. Elle est... 88 à l'Igrégal. 88 à toi aussi. T'as vu, t'as entendu comme un rayon de soleil, là, d'un seul coup, hein. Ah ben, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne journée? Oui, mais pas trop. J'explique un petit peu mon cas, je suis sur le ruban avec une Renault Zoé, voiture électrique. Vive le QRM! Ah ben au moins t'es en bonne compagnie quoi. Et quand tu passes en émission, ça te fait pas ralentir la voiture? Comment t'expliquer ça? Voiture électrique, moteur électrique, génération de QRM, ligne au bout de tension juste au-dessus du push. Ouais, c'est génial quoi. Aujourd'hui ça fonctionne pas du tout, malheureusement du tout. Putain, mais t'es 100% moderne, toi tu marches au tout électrique. Ah ouais, même le bonhomme il est électrique. Bon, cette journée de pro s'est bien passée? Ouais, ça a été un peu calme aujourd'hui, on force pas trop avec ce qui m'est arrivé il y a pas très longtemps, mais ouais, non, sinon ça va. Ok, d'accord, ben tu vois, là, nous au départ, on était partis pour aller visiter un peu la côte charentaise,
un petit peu le sud du 85, et puis on s'est retrouvé en Normandie, là, pour le coup. Et bien, on a décollé, ben, tu vois, là, ce matin, là, de Normandie, puis nous voilà déjà, là, à cette heure-ci, là, ben, ici. Alors, comme ça, tu te promènes. D'accord, ok, ben, sans bienvenue en Charente, alors. Ah, merci pour la bienvenue. Et puis, je vais avoir 3 tonnes de vidéos là, à préparer. Hein. Et j'ai l'ordinateur, et j'ai vu ton message, j'ai l'ordinateur avec moi. Hein. Donc, ça me permet de décharger, le téléphone, dans l'appareil photo. J'en ai une qui rigole, qui est plié à côté de moi. Ça permet de décharger l'appareil photo, justement, dans l'ordinateur, dans des dossiers bien précis. Mais c'est qu'après, il faut assembler tout ça, quoi. Voilà, je suis à peu près, je dirais, 30-40 cm de micro. Je suis là où tu m'as dit d'être. Ok, pas de soucis, je vois où tu te situes. Eh ouais, la partie de cache-cache à tourner court, à 6-3 coups. Éventuellement, on peut passer en AM si tu veux, ça sera plus confortable. Hein. Ok, ça marche. Voilà, ça y est, de retour en AM. Et puis en plus, il y a des stations qui sont dans le secteur en AM, ça a dû leur faire mal aux oreilles. Car ce qu'on a fait, c'est pas bien du tout. Ah, chi. Affirmatif, voilà, c'est plus confortable pour les oreilles. Hein. En espérant qu'il y ait d'autres stations en fréquence. Personnellement, sur le 19, moi, par ici, j'entends pas grand monde. Ça traîne plus souvent sur le 15. Donc, ben voilà, s'il y a du monde sur le 19, ah ben, soyez les bienvenus. Bon, ben, on a au moins ça avec nous de notre côté, le silence. J'ai repéré quand même quelques antennes hein, sur la route, là, des stations fixes. D'ailleurs, nous, j'ai pas de boussole, je peux pas te dire de quel côté on arrive. Mais bon, à un moment donné, là, on est passé sur un pont, une rivière. Juste avant, il y a une voie ferrée, je crois. Et là j'ai vu une antenne. J'en ai vu quelques autres aussi en fixe. Ok, attends, parce que les ronds-points ça tourne et puis les gens ils traversent comme ça. Voilà. Donc là je suis à 4 km du QRA, donc je vais pas trop tarder. Hein. Alors c'est du 57 de mon côté. Tu vois, ça passe bien quoi. De toute façon, tu ne nous retardes pas du tout parce qu'on t'attend alors. Ah, chier. Ah, ben tu es arrivé par route alors. Eh, j'ai beau avoir un duster, mais on est quand même arrivé par la route. Alors là, t'es sûr que t'es pas venu par les champs? T'as pas un duster toi? Ah, chier. Remarque, tiens, à propos de ça. C'est passé pas loin de Chirac. Eh bien, on est passé pas loin de Chirac, hein, te fait dire, la voix des ondes. À propos de ça, justement, c'est la semaine dernière. On est allé chez les beaux-parents à Marennes. Puis au retour, c'est Fabienne qui a pris... Comment ça rigolait déjà qui a pris le volant. Et puis bon, il y avait deux tracteurs, deux gros monstres qui roulaient pas trop droit sur la route. Ah ben, ni une ni deux. Quand on les a doublés, on a un duster, ok, pas de problème. Elle est allée rouler dans l'herbe, carrément, là, sur le côté gauche. Il n'y a pas de souci, ça passe. Ah, du moment qu'il n'y a pas de ravin, ça devrait passer. Ah, ben, elle a quand même frôlé le fossé. Mais bon, elle était lancée, donc il n'y a pas de souci. Tu sais, une femme, hein, faut jamais les contrarier. Chier trois coups. non, mais il n'y a pas de problème. J'étais surpris qu'elle me fasse un plan comme ça, mais bon, à 90 dans l'herbe, et puis allez hop en avant.
Ouais, en direct, t'es dans les ronds-points, là. Non, là, je suis dans les petites routes, je suis en mode rallye, donc... voilà, on essaie de se concentrer un minimum. Eh oui, on est tous pareils, on sait pas faire deux choses en même temps. Eh oui, n'est-ce pas, moi, les autres? Hop là, elle a entendu. Attends, elle est au loin, la prochaine. Ah, ces hommes qui savent pas faire deux choses à la fois. C'est plus grave qu'on ne le croit. Ah, je reprends maintenant le top. Tu es toujours avec ton nouveau TX ? Ouais, voilà, elle vient de prendre le micro. Oui, oui, affirmatif, oui, oui, bah oui. Et lui, il est en permanence dans le push hein, maintenant. Hein. Et il sort du push juste pour les expéditions, c'est tout. Hein. Ok, ok, ouais, ouais, ouais. Bah, à mon avis, vu ce que tu envoies là, il y en a une au QRA qui doit faire des bons, je dois te demander ce qui se passe. Ah ben justement, je suis qu'avec la puissance du TX, c'est-à-dire en porteuse blanche 11, 12 watts, c'est tout, pas plus. Bon alors là, dans 2 minutes, j'arrive, par contre, je vais lâcher un petit peu le mic. Parce que c'est des tournants à la mort moelle neuve et je voudrais pas me planter ce jour-ci, tu vois. À la mort moelle neuve. Ok, je reste en stand-by, il n'y a pas de problème. T'as regardé les montagnes, non? Oui. Tu devrais voir arriver sur le banc, hein, donc sur ta gauche si t'es garé face à. Si t'es face à l'église, le devant de la voiture vers la route, tu devrais voir arriver sur la gauche. Et je viens de voir un push bleu justement passer avec une MS-145, un truc comme ça justement là sur le toit. Là. C'est pas moi. Eh non, tu vois, t'es pas tout seul. Oh le sauvage. On est juste à côté à l'ombre. Ah ouais, je suis arrivé là, c'est bon. T'es où? Ah j'en étais sûr. Vu comment t'es arrivé, putain je me suis dit là c'est pas possible, il nous a pas vu quoi. Alors par rapport à toi, on est à 4h. Enfin 3h30 même par rapport à toi. Ok, donc tu dois être derrière les ouvriers là. Bah j'arrive. Ok, d'accord. Les mecs, ils comprennent pas, quoi. Ils sont surpris, quoi. De celui de l'extraterrestre. Alors, voici notre ami Claudie. Oh putain, il apparaît très sur au lavage, lui. Hein. Et il est toujours aussi grand, quoi. Salut, Claudie. Bonne 73. Comment vas-tu? Ouais, écoute, ça va. La journée est finie, c'est bon. Oui. Allez, la suite est privée. On coupe. Je te retrouve. Voilà, ça y est. Oui, on a passé les virages, tout ça, voilà. On est en train de labourer les champs, là. Ok, bah t'as trouvé la route alors, c'est bon. Ouais, voilà, bah tu vois, hein, le mode scan il a bien servi, puisque là, bah du coup, c'est toi qui m'as stoppé. Ah bah tu m'étonnes, ça fait 5 minutes que je suis en train d'appeler là. Ah, alors peut-être que tu as appelé au moment où il était parti en train de scanner d'autres canaux. Ah bah sûrement, parce que je suis passé du visage sur le tube, sur le tube, ok, puis en même temps, voilà, j'ai sorti le squatch automatique, comme ça moi je suis sûr de garder en fréquence. Ok, ok, là tu dois être dans le fond
toute la bonne parce que tu parles petit, mais ça devrait pas tarder à remonter. Putain, mais t'as ce qu'il fout derrière parce que tu me casses les oreilles. Ah ben là, voilà, maintenant normalement c'est mieux. Non mais c'était pas grave, hein. J'ai baissé le volume et puis c'est tout. Alors attends, j'ai un panneau droit devant moi. On est sur les rails. Alors, on est sur les rails, ouais, c'est le cas de dire. Chabanais. On sort de Chabanais, voilà, ça y est, on quitte Chabanais. Ok, ok, donc là tu vas arriver sur la petite place de Chabanais. À droite tu auras le kebab, et juste dans le carrefour tu auras le bureau de tabac. Là tu prends sur ta gauche, hein, donc direction déchetterie, et tu jetteras une directelle, ainsi du coup. Tu continues sur ta lancée jusqu'au rond-point, direction Angoulême. Ah ben, on est sorti de Chabanais, hein. Quand je t'ai dit on quitte Chabanais, c'est que vraiment là on est sorti, quoi. Ben, on est passé là sous un pont, au croisement, paf, on a pris à gauche. Et là, je vois le croisement, et bien tiens, voilà, c'est ça, on prend direction Angoulême. Ok, ok, donc là t'es même en direction Chasseuil. Ok, ben, ça va, je vois tu es. Ouais, voilà, c'est ça. Alors attends, parce que j'ai un peu de monde. Quand tu dis que t'as un peu de monde, t'as un peu de monde qui vient prendre le café. Prenez la deuxième sortie. Non, sur le rond-point. Ah mais quelle idée, mais retire-les. Les ronds-points? Ah ouais, t'as raison. Ah bah tiens, pour le coup, question motivation là, ça passe comment? Ah c'est nickel, c'est vraiment propre, c'est une bonne radio de 5. J'ai fait par la même occasion là, une petite vidéo là, qui fera un peu le final de Bizou. Et c'est vraiment propre. Hein. Ok, ok, merci pour le rapport. Là je suis avec le président Valérie et puis le petit boîtier. Ok, alors attends deux secondes. Voilà, je me rends compte qu'après la troisième, il y avait d'autres vitesses. Voilà, ça y est, j'ai passé la quatrième. Bah heureusement que tu roules pas en jouet, hein, parce que la jouet c'est automatique. Ouais. Attends, j'ai le couvercle de la queue de la caméra qui vient de s'ouvrir, le con. Attends, ouais, mais fais bien, c'est que là je suis en train de filmer en même temps. Alors attends, deux secondes. Attends, je regarde ça. Un jour tu perdras ta tête dans ta voiture. Voilà, ça y est. voilà, j'ai refermé le couvercle là-dessus. Ok, vas-y, vas-y, prends le micro que je rende un peu le signal. Ok, donc apparemment t'as retrouvé le couvercle. Ah, bah, c'est bon. Donc je suis toujours avec le président Valérie et puis micro d'origine. Et puis peut-être que t'as vu, hein, donc ouais, si j'ai bien vu, c'est autour de 7-8 par là, quoi. De toute façon, je l'ai filmé, donc on pourra le revoir plus facilement. J'ai pas mes lunettes, là, pour voir de près. Qu'est-ce que tu veux? Quand t'arrives à 54, dans la cinquantaine, tu deviens casse-couille. Non, presbyte. Enfin bon, bref, c'est pareil. Ouais, 54. Oh, mais si c'est presbyte, casse-couille, c'est les hommes qui sont contents, hein. On est obligé de se rapprocher d'elle. Se mettre à notre niveau, il nous faut du chemin quand même, les mecs. Hein. D'accord, ok. Et on répond. Oh merde. On répond quoi? Putain, merde, j'ai fléché à 1000 pattes, j'ai pas fait gaffe. Non, de ce coup, je le vois dans le rétro, il commence à vouloir me doubler. Ah ben oui, j'étais en train de ramer, quoi. Non, ramer, c'est pas bien.
du coup, j'en ai profité pour doubler un peu, c'est bon. Ouais, je suis, là c'est les montagnes russes, là où je suis, là. Ok, ouais, tu vas arriver sur les hauts de Roumanière. Là-bas, quand moi je vais en bouche, je serai plus dur, donc si on se perd, c'est normal. Ok, alors qu'est-ce que je viens de marquer sur le GPS? Près de la Pérouse. Pérouse, un truc comme ça. Affirmatif, la Pérouse, hein, tu arrives sur le haut de la Pérouse, tu vas traverser l'énorme village qui fait 300 mètres maintenant. Et puis tu vas commencer à redescendre pour remonter enfin sur Roumanière. Attention au feu tricolore là-bas, il y a un radar de feu. Il est méchant, il est violent. Ah ouais? Même à la campagne, ils mettent des radars de feu comme ça? Voilà, c'est pratique. Et puis, ils se jettent pas pour te prendre. Hein. Ah ben tiens, voilà, j'aperçois, je vois le panneau, là, on arrive au panneau, la Pérouse. Ok, donc t'arrives vraiment dans le plus grand village du département. Tu vas voir, il est très, très large. Ouais, j'ai l'impression, oui. Ah, chie. Le signal commence à baisser. Voilà, affirmatif, là tu vas commencer à redescendre dans le trou là-bas, et puis je ne copierai plus là. Ok, d'accord, et bien voilà, je sors, j'ai atteint le panneau de sortie du village. Ah, ça a été long, hein. Ah ouais, voilà, direction Angoulême, on est parti. Oh putain, oui, cette descente qu'il y a. Ok, j'arrive encore à t'entendre un petit peu. Ok, ben là on est rentré dans Roumazeille, un truc comme ça. Ouais, tu arrives à Roumazeille, attention au feu tricolore. Ouais, ben de toute façon, là j'ai 1000 pattes devant moi, donc déjà là, il n'y a pas de souci. S'il s'arrête au feu, j'aurais pas trop le choix. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche, les machins 1351 à toi, merci pour ton accueil, c'était accueil improvisé en plus, c'était vraiment sympa quoi. Et de toute façon, te connaissant, ben voilà, le feu vient de passer au rouge, te connaissant, je m'attendais pas à un autre accueil, putain, je m'en étrangle, comme si j'allais dire une connerie quoi. Te connaissant, je m'attendais pas à un autre accueil que celui-ci, c'est-à-dire des meilleurs quoi. Ok, merci les 88 Anthony Grekel, 212 QRA, et à la prochaine. À la prochaine, 73, 88 Anthony Grekel. Tu retournes ça.
Oui, la station qui lance appel, les bonnes 73 51. Oui, Claudie, je suis là. Affirmatif, je suis dans les montagnes russes, là. Je suis dans les montagnes russes, hein. Là ça monte, ça descend, ça fait que ça là. Ouais, il y a un gros manque de propague là en ce moment, et là c'est bien dommage. Mais moi aussi je t'entends très 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 QRP. Hein. Moi de mon côté c'est pareil, hein. Très très QRP, c'est presque inaudible. Ah bah tiens, le temps de dire ça, ça le signal à remonter. Là c'est bon, je t'entends mieux.